Objectif rempli. Ce mercredi 15 février, Louis a franchi un cap dans N'oubliez pas les paroles. Présent depuis le 27 janvier dernier, le maestro vient d'intégrer les prestigieux masters. Pour rappel, ces masters permettent aux 32 meilleurs candidats du Jeu de France 2 de revenir s'affronter en fin d'année pour tenter de gagner de l'argent et décrocher le trophée du micro d'argent réservé aux meilleurs d'entre eux. Une compétition qui regroupe donc le gratin de N'oubliez pas les paroles. Pour autant, Louis assure qu'il ne cesse de jamais présenter à l'émission avec l'idée d'intégrer les masters. Ça pouvait être un objectif mais ce n'était pas du tout le premier. Je ne suis pas arrivé en me disant qu'il fallait que je vise les masters. C'était vraiment petit à petit, a confié le champion dans un entretien accordé à Télé Loisirs, avant d'ajouter, je voulais devenir maestro mais sans me mettre la pression. Mais en faisant tout pour. Ensuite, je visais les 20 000 euros, puis j'avais pour objectif les 40 000 euros. Mais en me disant qu'à partir de là, j'avais vraiment bien fait de réviser. Je n'aurai totalement aucun regret à partir de là. Et après, plus ça a augmenté, plus je commençais à me dire que ça pourrait le faire. Louis, il y en a beaucoup qui révisent depuis des années mais qui dit master, dit forcément qu'il va falloir mettre les bouchées doubles dans l'apprentissage des chansons afin de l'emporter face aux meilleurs des meilleurs. Une partie de ma vie va beaucoup tourner autour de ça maintenant. Et oui, ça met la pression parce qu'ils sont tous très forts, il y en a beaucoup qui révisent depuis des années et qui sont super impressionnants. Ça met un petit peu la pression d'aller se confronter à des gens qu'on regarde depuis des années qu'on trouve exceptionnellement forts, a poursuivi Louis, avant de donner l'identité des candidats qui l'impressionnent le plus, Arsène me fait très peur. Mais aussi Kevin, Hervé, Margot, Caroline, Tony. Je pourrais citer toute la liste. Mais il y a aussi beaucoup de hasard au master avec les mal-aimés, et j'ai plutôt appris les chansons connues, donc je pars avec beaucoup de retard là-dessus.